Monsieur Reed, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. On profite d'une belle journée. On est quand même chanceux de faire ça ici, oui, à la halte des villages, c'est ça? Oui. C'est quand même récent, l'aménagement, ça se peut-tu? Quelques années. C'est Louis Gonzague, c'est important de spécifier. Mentionné. On va parler de vous avant de parler de la municipalité et de la région. Vous êtes originaire de quel endroit? Originaire de Salaberry de Valleyfield, okay, du quartier Bellerive plus précisément, que l'on appelle communément la Patoche. La quoi? La pétoche. La pétoche. Oui, oui, oui. Oui. Alors, c'est historique, là, je pourrais pas vous dire. C'est l'île de Grand-Île, pas vraiment, oui, qui avait ce nom-là à l'époque. Mais je suis donc un fier représentant de la pétoche. Alors, les gens de Bellerive savent la signification de ce nom-là, qui est très important, qui est un sentiment d'appartenance. OK, je comprends. Chez nous. Et quand vous étiez jeune, quel genre d'enfant ou même d'étudiant un peu plus tard à l'adolescence vous étiez? Ouais, c'est une bonne question, ça. J'étais un enfant sage. Qui était à son affaire. Donc, j'étais quelqu'un qui avait... Bien entendu, à l'époque, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas rien de ça, alors on s'amusait à l'extérieur. Alors, ce que je faisais, j'étais également un amateur de blocs Lego. OK. J'étais un des chanceux de ma gang qui avait une collection de Lego, mmh, et je me suis amusé énormément avec ça. Pour satisfaire mon imagination, je suis un lecteur des Astérix. Oui. C'est vrai que c'est Obélix et des Tintins. Alors, c'était ça mon enfance. En fait, il y a eu plus que ça. Mais c'était ce qui, surtout les Astérix Obélix, ces bandes dessinées-là qui me permettaient, en fait, à la fois de rire. Ben, vous connaissez oui, la bande dessinée. Alors, aussi, c'était une grande partie de mon enfance, mon adolescence. Puis je vous dirais que je les lis encore. Oui, mm-hmm, c'est un bon exercice de retourner dans cette lecture-là, oui, quand même, hein, ça oui, vieillit bien. C'était déjà vieux quand on le lisait, puis celle-là encore effectivement, plus. Oui. En lisant les Tintins, vous aviez cette envie de voyager, d'être globe-trotteur, reporter, journaliste? C'est un bon point. En fait, le journalisme m'a intéressé, mais plus à l'université, parce que j'ai étudié en sciences politiques. Okay. Puis m'a intéressé à un certain moment donné, mais j'ai décidé de faire plus des sciences politiques. Est-ce que Tintin m'a influencé là-dedans? Je crois pas, mais pour développer l'imaginaire, en fait, essayer de connaître le monde, c'est une façon de le faire, puis de s'intéresser aussi à ce qui se passe en dehors de notre petit monde, de notre petite vie de quartier ou à la maison. Alors, ça nous permet de développer notre création d'une certaine façon aussi. Alors, sciences politiques, si vous aviez cet intérêt-là à la fin du secondaire, de vous lancer dans ce oui, domaine-là, dans le fond, mm-hmm, est-ce que c'était vraiment être politicien votre objectif ou c'était quelque chose qui était plus dans les environs, là? C'était pas un objectif. Non. C'était vraiment pas un objectif. Si on prenait l'album de finissant de secondaire 5, vous auriez une surprise. J'avais écrit que je devais être ingénieur mécanique, ce que j'ai pas fait. Mais en secondaire 5, en fait, secondaire 5, alors on parle du premier référendum en 80, on recule loin, l'autre siècle. Mm-hmm. Puis c'est là où, bien entendu, il y avait un mouvement important au Québec. À ce moment-là, le Parti québécois était au pouvoir. Alors, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique. Donc, c'est là que je me suis intéressé davantage à la politique, en fait, au monde qui nous entourait, à la gouvernance. Puis plus tard, au cégep, avec un professeur qui s'appelle Gérard Loriot, qui est encore vivant, qui, lui, donnait deux cours de sciences politiques au cégep. Alors, j'ai suivi ces cours-là, puis c'est là que ça a vraiment, je vous dirais, la chose politique, je vais dire comme ça, m'a intéressé, ouais, c'est ça. Puis ce qui m'a amené en sciences politiques aux grandes dames de mes parents. Ah oui? Comment ça? Sciences politiques, à l'époque, c'est pas... OK, c'était pas tellement... disons que je devais être ingénieur, je devais être avocat, mais j'ai dit, c'est mon en sciences politiques pour justement répondre à ce besoin de connaître la chose politique. Okay, okay. Et j'ai eu au bac trois belles années extraordinaires qui m'ont amené d'une certaine façon dans le militantisme. Il y avait Denis Coderre qui étudiait avec moi à cette époque-là, mm-hmm, qui était maire de Montréal, qui était ministre à Ottawa. Puis, le militantisme, c'est là que je l'ai connu avec des chums à l'époque. Donc, moi, j'arrivais de Valleyfield, tu es à l'Université de Montréal, tu t'intéresses à la chose politique. Puis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, j'ai des amis, en fait, qui militaient pour le Parti progressiste conservateur à ce moment-là. Puis, on me dit, écoute,
Ils me disent à un moment donné, on s'en va à Ottawa, une organisation, on s'en va rencontrer des députés, des ministres, est-ce que tu embarques avec nous? Alors, ça a commencé comme ça, vraiment, mon militantisme politique, mon implication en politique, ça a commencé là. Okay. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait de l'organisation politique. J'en ai fait au municipal, j'en ai fait au provincial, j'en ai fait au fédéral. Alors, c'est là que cette fibre-là politique-là est apparue. Puis, j'ai été 12, 11 ans chez Desjardins, et je peux vous dire que cette petite flamme-là politique ne s'éteint jamais. Non, même quand... Elle est toujours cachée quelque part, oui. Fait que tout s'est fait en parallèle, j'imagine, dans les années 80, la sortie des études, la caisse comme travail, mm-hmm. mais aussi attaché politique quand même, c'est ça. En fait, exactement, après le bac, je militais pour le parti de Brian Mulroney à l'époque, là, qui n'était pas le parti conservateur qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça. Puis j'ai travaillé 3 ans avec le député Jean Guidon, qui était le député ici du comté de Bois-Noir-Salaberry. Lui était originaire de Bois-Noir, mais j'avais commencé à militer avant ça, donc ça m'a vraiment permis de connaître c'est quoi la vie de député, le travail de comté, en fait, ce qu'on fait actuellement, ouais. ce que je fais actuellement. Puis ça m'a amené, bien entendu, en 93, les conservateurs ont été battus à plate couture. Il restait seulement 2 députés. Alors, il restait Jean Charest puis Elsie Wayne dans les maritimes. Ouais. Alors, le parti avait été rayé de la carte, carrément. Puis ça m'a amené quand même dans un autre domaine. C'est là que j'ai appris les communications. Okay. J'ai commencé... Bien, la politique, on fait de la communication d'une certaine façon, l'organisation politique. Puis par la suite, bien, en fait, bon, qu'est-ce que je fais avec ce bagage-là, puis qui est un bagage? Et j'explique à mes employés, l'expérience politique en soi dans un bureau de comté, c'est pas dans un CV, souvent ça peut faire reculer des gens du haut, puis il a fait de la politique, mais l'expérience que ces personnes-là ont à travers les différents dossiers, elle est très, 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 très enrichissante, elle est très importante. Donc, je devais réaligner mes flûtes à ce moment-là, puis c'est à partir de là que je suis allé travailler en communication. Okay. Communication, mais principalement, plus particulièrement, dans les services financiers. Okay. Alors, je suis allé à l'Association des banquiers canadiens pendant près de 6 ans, je crois, ouais. Et c'est là que donc, j'ai fait mes armes en communication, relations gouvernementales et tout ce qui tourne autour du lobbying d'une certaine façon. Alors, c'est là que j'ai commencé à travailler davantage de la communication. La politique était toujours un peu en parallèle parce que c'était le groupe de lobbyistes des banques. Okay. Alors, on faisait pas de la politique, mais toujours dans le giron du monde politique. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs années, mais j'ai continué par la suite, mais toujours en communication dans les services financiers jusqu'à ce que j'arrive chez Desjardins en 2007, où j'ai fait 10 ans en communication dans ma communauté. Mais juste avant ça, avant d'arriver chez Desjardins, j'étais conseiller municipal. Okay. De 1999 à 2007, j'avais aidé Denis Lapointe en 1995 à la mairie, à l'organisation. Quand je parlais d'organisation politique tout à l'heure, ça origine même bien avant ça. Puis, donc, j'ai embarqué. Puis en 1999, Denis Lapointe m'a dit, est-ce que ça te tente d'embarquer sur l'équipe du conseil municipal? Je dis, certainement, je vais essayer ça. Puis j'ai fait ça donc jusqu'en 2007, au moment d'entrer chez Desjardins. La région, vous la connaissez pas mal comme le fond de votre poche. Je la connais assez bien, effectivement, oui. Oui. Avant de parler du présent, je veux savoir qu'est-ce qui a changé dans la région entre quand vous étiez attaché politique à l'époque et maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ouais. On peut le voir en deux, je vais le faire comme ça en deux volets. Le premier volet, c'est l'utilisation du numérique, la communication, qui fait en sorte que maintenant, vous savez, on réagit en temps réel à une situation. Ça change la donne de M. Blanc de tout le monde. En fait. Oui, le monde politique aussi est touché par ça. Ça, c'est une réalité qui est différente de cette époque-là, qui n'est pas très, très loin en arrière. Donc, il fait en sorte que la communication ou l'information maintenant est beaucoup plus rapide. On peut réagir. On peut réagir plus rapidement puis s'adapter. Ça, c'est une chose. À l'époque, c'était le téléphone, puis le temps qu'on fasse quelque chose, il pouvait se passer quand même quelques heures ou quelques jours. Puis maintenant, l'autre chose, c'est le développement de la région. Là, je parle de la grande région du Suroît. On parle du développement, de la croissance exponentielle de la région de Vaudreuil-Soulanges. L'arrivée de la 30. Qui était toujours dans les cartons à l'époque, mais qui a changé la donne. Donc ça a changé beaucoup, je vous dirais, depuis ce temps-là. Ce qui fait en sorte que le Suroît, maintenant, est une force régionale beaucoup plus importante qu'il pouvait l'être dans les années 90, entre autres.
quand vous étiez attaché politique avec le député... Oui. Son nom, c'est Hudon. Oui. Monsieur Hudon. Oui. C'était quoi vos tâches? C'est quoi qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi l'école que vous avez fait à ce moment-là? En fait, oui, j'avais le titre, c'était, je pense, c'était adjoint exécutif. Quelque chose comme ça, de comté. Donc, moi, j'avais les... au fédéral, c'est pas comme au provincial, le travail de comté. C'est différent. Le comté est plus grand au fédéral, là, c'est beaucoup plus... Très grand. Mais ce que j'ai appris, en fait, ce qui était intéressant là-dedans, en fait, c'est toujours le contact avec les gens. Mm-hmm. Les gens des communautés, ça, c'était l'élément, en fait, qui est le fil conducteur qui m'a amené aussi aujourd'hui. M'a amené un peu à travailler avec les gens, comment travailler avec les gens, comment traiter des dossiers, parce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas faciles. Comment, en fait, développer les relations humaines, puis l'empathie, tout ce qui touche à ça. Ça, c'était le volet qui m'a... en fait, l'école, en fait, avec M. Hudon, puis même Denis Lapointe, d'une certaine façon, du temps qui est amer. Puis avec M. Hudon, en fait, il n'est pas un précurseur, mais le sens de la communication politique. Comment on doit la faire? Et M. Hudon, là-dessus, était un professionnel de la communication, autant par... C'est sûr, vous n'étiez pas là à ce moment-là, autant par ses cartes de Noël très originales. il achetait à chaque année une toile d'un artiste de la région. Puis on faisait reproduire la carte de Noël, la sérigraphie sur une carte de Noël. Puis il envoyait à peu près 6 000 et 7 000 cartes de Noël par année, toutes signées à la main. Ah ouais. Alors, c'est des petits trucs comme ça, de la communication. Ça peut être envoyer une petite note à quelqu'un, hey, félicitations, c'est beau ce que tu as fait. Ouais. C'est très simple, mais quand la personne reçoit une carte de Noël ou un petit carton comme ça, ben c'est super le fun. Puis ça, c'est des outils qui m'ont suivi par la suite, que j'ai retenu, que j'ai proposé à d'anciens collègues de travail et que j'utilise encore aujourd'hui. Puis là-dessus, mon père me disait aussi, quelque chose à la main ou d'écrire juste une petite note personnelle, ben ça fait la différence. Alors, des choses comme ça que j'ai apprises. Bon, il y a l'organisation politique derrière ça, mais c'est des petits trucs comme ça qui sont importants encore aujourd'hui. On travaille dans le fédéral, puis que quelques années après, on travaille au municipal. Bon, on réduit la population, les électeurs, mais est-ce qu'on se rapproche de l'électorat? Oui, le gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité, vraiment avec le citoyen. Puis encore là, vous avez parlé de mon travail d'adjoint au député fédéral. On travaille avec les citoyens. Les cas ne sont pas tout à fait les mêmes. L'approche est la même d'une certaine façon. Mais quand on est au municipal, en fait, c'est beaucoup plus petit. Alors, le citoyen, c'est ton voisin. Puis, quand on parle de proximité, bien entendu, à partir du moment qu'il y a une situation X dans le quartier, je ramène le téléphone, sonne chez toi ou les gens viennent te voir. C'est pas tout à fait la même dynamique. Et les demandes ne sont pas les mêmes non plus. Sont beaucoup plus au municipal. On ne parlera pas de l'économie du Québec ou du monde généralement. Non. On va parler de bordures d'asphalte, d'entretien de route, déneigement. Alors ça, c'est, quand on parle de proximité, c'est vraiment proximité. Ouais. Ça, bien, c'est ce qui est le fun de ça, c'est quand moi, je suis du quartier Bellerive, je le mentionnais tout à l'heure, j'ai été élu dans mon quartier, j'y habite encore. Okay. Je connais les citoyens, les gens qui y habitent, c'est toutes des familles, on se connaît. Oh, les gens évidemment. Se connaissent bien tout d'une certaine façon, mais il y avait quelques grandes familles. Puis d'être travailler avec ces... pas de travailler, mais de fréquenter au quotidien les gens du quartier, les gens de la ville, c'est le fun. Un, t'apprends à les connaître, puis tu connais, en fait, d'une certaine leur façon... leurs besoins. Leurs besoins, leur histoire, puis tu sais que, bon, telle personne, il va te parler de ça, puis oups, lui, sa famille, peut-être telle affaire, telle situation. Alors, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus serré, puis... je reviens quand on parle du ce que je disais quand on parle du quartier Bellerive, hein, c'est un vieux quartier. C'est des vieilles familles, contrairement à des quartiers nouveaux où la dynamique avec des plus jeunes n'est pas la même. Ouais. Alors quand je parlais en introduction de la Petoche, ben c'est ça. Alors quand tu es de la place, lui, le petit Ray de la Petoche, ben c'est un sentiment d'appartenance, mais les gens disent hey, lui, il nous connaît, puis ça va fonctionner. Ouais. Donc c'est beaucoup plus près. Puis au conseil municipal, bien entendu, oui, il y a des enjeux villes, mais les enjeux citoyens sont encore plus importants parce que tu es vraiment près du monde. Contrairement au provincial, c'est un niveau de plus. Pour le fédéral, bien, c'est un niveau plus élevé encore. Donc, la façon de voir le territoire ou le terrain n'est pas la même.
Puis les enjeux ne sont pas les mêmes. On arrive au provincial, justement. À quel moment, justement, la porte vers le provincial s'est ouverte pour vous? Est-ce qu'on vous a, on vous a appelé ou c'est vous qui vous êtes rendu? Comment ça s'est fait? En fin de compte, c'est une courte histoire. J'ai laissé la politique en 2007. J'étais conseiller municipal, je suis entré chez Desjardins. Chez Desjardins, on n'a pas, en raison de la déontologie, d'autant plus que le travail que je faisais à l'époque, j'étais directeur des communications dans ma communauté. Okay. La caisse où je travaillais était dans le quartier où j'étais conseiller municipal, alors ces apparences de conflit d'intérêts pouvaient être importantes, quoique tout était correct. Mais j'ai laissé, là, en 2007, la politique municipale. J'ai démissionné en fait, en octobre 2007 de mon poste de conseiller. Puis à un moment donné, ben, après 11 ans, 10 ans de carrière chez Desjardins, j'avais fait le tour du jardin. Puis là, qu'est-ce que je peux faire de plus pour la communauté? C'est là que la politique provinciale est arrivée. J'avais été approché pour me présenter à la mairie de Salaberry-de-Valleyfield en 2016 pour 2007. J'avais dit non, j'avais pas d'intérêt, j'étais bien dans mon travail. J'avais encore des beaux défis à relever. Puis le provincial, bien, quand ça s'est passé en plein été. La coalition Avenir Québec cherchait un candidat dans le coin. Puis le téléphone, en fait, a sonné mutuellement. C'est que j'ai un vieux chum qui est dans le giron de la coalition Avenir Québec, à qui j'ai parlé, puis il me dit, écoute, il dit, ouais, il y aurait de la place pour un candidat dans le comté de Beauharnois, si ça t'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, puis ça a commencé comme ça. Mais c'est allé très, très, très vite, parce que on m'a donné le OK à la fin juillet. Puis je partais en vacances de Desjardins. C'est allé très, très vite, je vous le dis. Là, c'était, bien, si vous reculez un peu, un an en arrière, là, la coalition Avenir Québec était très forte dans les sondages. Et là, ça bougeait partout. Tout le monde voulait être candidat. Ouais. Puis bien, chez nous, il y avait des gens, apparemment, qui s'étaient manifestés, mais je sais pas qui. Okay. Ouais. Et moi, c'est ça, on me dit à la fin juillet, regarde, t'es notre candidat. Bien content, mais c'est parce que moi, j'ai une job actuellement, il faut que j'annonce à mon patron que je pars. Puis on me dit, bien, c'est autour du 26-27 juillet à peu près que ça s'est passé, cette affaire-là. Puis on me dit, autre bonne nouvelle, c'est que François Legault est à Valleyfield le 1er août pour l'annoncer. OK. C'est parce que c'est dans une semaine. On dit, oui, mais c'est parce qu'il faut dire à mon employeur que je m'en vais. Il faut respecter l'ordre, c'est en plein l'ordre des choses. Mais ça tombait bien, parce que je partais en vacances. Alors, j'étais à préférer le ménage dans mes dossiers, puis d'autant plus dans le travail que j'occupais chez Desjardins. L'été, c'était toujours un peu plus tranquille. Ouais. Alors ça, c'était allé très, très, très vite. Puis c'est à partir du moment que j'ai eu l'OK ou la bénédiction du chef, on est parti en mode politique. Puis ça, bien, comme je disais, j'en ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales. Alors là, j'avais le feu vert. Alors c'était de mettre en place l'organisation puis de partir. Puis depuis le 1er août 2018, c'est un feu roulant. Ah oui, ça paraît. Puis je tripe. Tant mieux. Comment on fait justement avec si peu d'avis? Parce que la campagne électorale, je n'ai pas les dates, mais ça devait être à la fin septembre qu'elle a commencé, j'imagine? C'était fin août. Elle était déclenchée. Okay, un mois pour se préparer. Ça... Ben, oui, c'est ça. Plus qu'un mois. En fait, j'ai été nommé le 1er août. Alors, le temps de mettre en place l'organisation, ça aussi pas que c'est difficile, mais c'était en plein été. Ouais. En plein été, là, au 1er août, il y a bien du monde en vacances. Hein? Commencer à rejoindre les gens. Mais comme je disais tout à l'heure, c'était un feu roulant parce qu'à partir du 1er août, bon, là, ça sort dans les journaux, le téléphone sonne, on met en place l'organisation. On met en place l'organisation, il faut la préparer à partir du moment que les élections sont déclenchées. Ouais. Alors, c'est tout là qu'on met en place la stratégie politique. Bien entendu, on commence à faire du porte-à-porte, on fait la tournée des municipalités, des clubs d'âge d'or, de tous les clubs qui existent dans la communauté, donc pour rencontrer les gens. Alors, ça nous permet de nous préparer puis d'attaquer le terrain pour être le plus présent possible. Puis, mais je disais, à partir du 1er août, c'était un feu roulant. Puis on pensait, bon, il y a l'élection, on pensait qu'après, on aurait peut-être comme 2-3 jours de congé. Puis le 2, bien là, comme on est élu le premier, une victoire historique dans le comté ici. Puis je tiens à le dire, parce que c'était près de 8000 de majorité. C'est la plus grande majorité de l'histoire du comté. On a reculé très loin en arrière. Puis ça, bien, et là, la campagne électorale, c'est un moment pour en avoir fait dans le passé, d'avoir fait municipal, d'avoir organisé. C'est un moment où c'est une période de temps qui est grisante parce que ça bouge, ça va vite. Puis je vous dis, c'est trippant. Parce que là, on a de la communication, tu rencontres des gens, tu as des messages à passer.
les sondages influencent aussi d'une certaine façon. Oui, c'est parce ça. Que le matin, quand le journal arrive sur la table, tu regardes, oh, ça va pas bien ou ça va bien, c'est tout, ça l'influence ça le comportement des électeurs, c'est ça. Donc, c'est de continuer à travailler toujours le terrain pour s'assurer que ça fonctionne. Puis, quand je dis que c'est grisant, c'est que ça bouge. Ça bouge. Puis le 2 octobre au matin, bon, on a le premier, on a gagné, on est content. Alors, on arrive au local électoral, il n'y a plus de monde. Là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'es sur un high pendant 37 jours à peu près. Là, ouais. Puis, et ça, bien ça, c'est le fun parce que tu vas rencontrer chaque citoyen. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être des clubs d'âge d'or, un club de pétanque, des tournées de résidences de personnes âgées. Tu rencontres des gens, des organismes communautaires. Puis chacun, bien entendu, a des messages à passer. Mais de rencontrer les citoyens, moi, j'aime ça. Puis c'était le fun. Moi, je suis quelqu'un qui a un sens d'humour, qui est capable de rire. Alors, et comme vous avez mentionné tout à l'heure, je connaissais bien le terrain, je connaissais bien la communauté, les gens me connaissaient. Alors ça m'a aidé beaucoup. Mais cette tournée-là, quand je dis c'est grisant, c'est que tu disais, Là, tu as une chance d'être un parmi les 125 qui vont être élus au Québec. Et ça, c'est une chance, c'est un travail. Il y a une question de timing en politique. Hein. Ouais. Pour tous les partis, une question de timing. Mais là, tu te dis, Colin, on est proche. On est proche d'être assis à l'Assemblée nationale. Puis ça, bien, c'est motivant aussi. Puis d'avoir l'organisation autour de soi qui pousse. Puis tu vois les gens qui viennent te donner un coup de main. C'est-tu, hey, ça y est, là, c'est pogné pour le vrai, là, puis ça va bien aller. Ouais. Alors, c'est toute cette mouvance-là qui est tripante. Puis moi, bien, ça m'allume. En fait, je suis quelqu'un qui aime bouger. Moi, c'est pas un 8 à 4. Moi, c'est toujours un dossier parmi un après l'autre, et ainsi de suite. Puis si vous me demandez de faire quelque chose de longue haleine, à un moment donné, je m'endors. Donc, je m'endors pas, mais c'est toujours action-réaction. Puis ça, moi, c'est ma personnalité. Puis à travers ça, bien, je suis très bien. La campagne électorale, c'était trippant pour moi. Ça vous a fait quoi, ça a été une vague, là, la coalition Avenir Québec. Oui. Vous n'étiez pas le seul nouveau. Qui siégeait pour la première fois. Donc, d'arriver à l'Assemblée nationale en gang qui sont tous, qui vivent une première nouveaux, fois en oui, même temps, ça. Est-ce que ça a créé un sentiment de communauté, oui. Ça a facilité les choses, j'imagine? Bien, oui, parce que sur les 125 députés, il y en a 80 quelques, je pense que ce sont des nouveaux, je crois. Il faudrait corriger, mais 80 quelques nouveaux. Ou à peu près pas d'expérience politique, alors ça change la game, ouais. On va le dire comme ça. Puis de se retrouver, en fait, avec un groupe de députés, 125 députés, puis des gens extraordinaires, des gens avec et l'ensemble des députés, avec une expérience de vie, une expérience de travail qui est intéressante, puis qui fait en sorte que quand on rentre la première fois à l'Assemblée nationale, là, c'est une bâtisse qui date de 150 ans et plus. Tu rentres là-dedans, tu regardes ça, c'est vraiment beau. Hein? C'est, je ne sais pas si vous avez déjà visité l'Assemblée nationale. Jeune, oui. C'est très beau. Puis là, quand tu rentres dans cette enceinte-là, tu dis, OK, là, tu es un parmi 125 privilégiés, parce que c'est un privilège d'être élu, puis de représenter les citoyens. Et là, c'est là que tu sens un peu le poids de la responsabilité du député. Puis à travers ça, ben tu regardes les banquettes des chefs d'opposition, du premier ministre, tu dis c'est historique ici, là. Parce qu'il y a des femmes noms. Et des grands noms, hommes et femmes, qui ont été ministres, premier ministre, qui étaient assis là, puis toi, ben t'es parmi ces gens-là. Et tu peux, d'une certaine façon, faire l'histoire. Puis ça, c'est un privilège, puis c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Si on parle de la dernière année, ça a été un feu roulant, vous l'avez mentionné. Mais une fois qu'on est élu, on se met au travail. Presque un an depuis que c'est le cas. Parlez-moi de cette dernière année, comment elle s'est passée, là? Est-ce que ça... C'est pas la dernière année parce qu'on n'a pas l'année complète encore de faire. Pas encore. Mais la première année, c'est une adaptation. J'ai fait de la politique municipale, j'ai fait de la politique fédérale. Le travail au provincial n'est pas tout à fait le même. J'avais l'expérience de bureau de comté. Ça m'a aidé beaucoup à mettre en place mon équipe puis à partir les dossiers. Donc ça, c'était pas nouveau pour moi.
Mais c'était de, à partir de ce moment-là, il y a 75 nouveaux députés. On a chacun nos priorités dans les comtés. Mm-hmm. Puis, ben, c'était de dire, OK, quels sont les dossiers prioritaires, en fait, les dossiers qu'on avait discutés ou qui avaient été abordés pendant la campagne électorale. Donc, c'est de regarder comment on peut faire avancer ces dossiers-là, où on en est avec l'échéancier, par exemple, ainsi de suite, et rencontrer de nouveau l'ensemble des acteurs du milieu, que ce soit les conseils municipaux, les maires, le directeur général du centre, le SISMO, là, mm-hmm. Les hôpitaux, le collège, l'ensemble des intervenants, les rencontrer. Hein, on les avait rencontrés pendant la campagne. Mais là, c'est comme tu es élu, que ce soit ensemble, c'est quoi les enjeux? Donc, c'est de bâtir à la fois les relations, puis de bâtir les dossiers pour justement défendre, en fait, les besoins des citoyens ou des organisations chez nous. Fait que ça, c'était un travail de compréhension, quoique j'avais déjà quand même une bonne idée, mais aussi de faire cheminer ces dossiers-là au sein de l'appareil gouvernemental. Parce que c'est un défi aussi, là. Parce qu'on on doit faire avancer nos dossiers dans... Oui, il y a le niveau politique au niveau des cabinets, mais il y a l'appareil gouvernemental aussi, qui, lui, bien entendu, fonctionne... fonctionne à chaque jour, puis avance à sa vitesse, puis à un moment donné, on lève la main, moi, ce dossier-là est prioritaire, comment on peut réussir à faire en sorte qu'il soit en haut de la liste. Mm. Alors, c'est tout cet apprentissage-là que j'ai fait au cours des derniers mois. Les enjeux sont grands dans le comté de Beauharnois. C'était un comté qui était délaissé au cours, je vous dirais, peut-être des 20 dernières années, et c'est de reprendre le dessus puis dire « Hey, on existe, on est là », parce qu'il y a un potentiel. On est au parc ici, à Saint-Luc-de-Gonzague, mais le comté a un potentiel extraordinaire. Il y a des entrepreneurs, il y a des citoyens, il y a des travailleurs communautaires. Il y a tout ce monde-là travaille très fort depuis très longtemps pour que ça fonctionne chez nous. Et le développement économique est au rendez-vous. Il y a des belles choses qui ont été faites par le passé qui commencent à apparaître aujourd'hui. Le bouclage, je vais dire comme ça, de la grande région de Montréal, Vaudreuil s'est développé de façon exponentielle, Châteauguay-Beauharnois. Maintenant, c'est à notre tour. En fait, la boucle est en train de se fermer chez nous, de s'ouvrir d'une certaine façon. Et donc, c'est de profiter de ce momentum-là pour faire notre place. Et étant au pouvoir, étant du côté du gouvernement, bien, le comté de Beauharnois a de fortes chances d'être entendu une fois pour toutes. Puis ça, bien, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que je veux faire aussi, tant avec les partenaires de la communauté. Et ce matin, j'ai été avec la direction régionale des hôpitaux là, pour justement dire, oui, il y a l'hôpital du Suroy, qu'est-ce qui s'en vient chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de corriger les choses ou que les choses se fassent bien et qu'on ne perde pas de service ou que plutôt que les citoyens aient des services à la hauteur desquels ils ont droit. Fait que ça, c'est des trucs comme ça donc, qu'on fait depuis octobre dernier. Puis c'est un beau défi parce qu'on participe à la réalisation de quelque chose. Ouais. Cette fierté-là, dire OK, j'aide ma communauté, puis c'est vraiment pas politique. Hein. C'est qu'on est capable de changer le cours des choses. Et en politique, c'est ce que ça permet de faire. On parle souvent de façon peut-être négative de la politique. Je vais citer mon collègue Lionel Carman qui a vraiment un mandat, lui, d'aider les plus jeunes. Et c'est ce qu'il tentait de faire à l'hôpital Sainte-Justine. Mais là, il est ministre, c'est son dossier, puis il me dit, là, j'ai les moyens de le faire. Mm. Alors, c'est ce qu'on peut faire comme politicien, c'est qu'on a les moyens, en étant du bon côté du pouvoir, ça aide, de changer le cours des choses et de faire en sorte que notre communauté puisse se développer puis puisse avoir sa place au soleil. Monsieur Ries, je vous souhaite une bonne continuité durant votre mandat, puis merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Merci beaucoup.